Hello ma chère pupille, j'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Je voulais te faire une nouvelle vidéo bien avant aujourd'hui. Je voulais déjà le faire ce week-end pour, comme promis, te parler de tes pensées, de la façon dont tu peux transformer tes pensées positivement. Et souvent, eh bien, la vie nous fait de drôles de surprises. Et en fait, j'ai passé mon week-end à l'hôpital avec mon petit garçon, Léo, qui a 5 ans et qui a dû être hospitalisé en urgence vendredi soir. Et finalement, voilà, on a passé tout le week-end là-bas. Alors, les résultats d'examen sont rassurants. Donc, depuis hier, on est rassuré, on peut à nouveau respirer. Ça n'a pas été un week-end facile pour la famille, pour notre petit bout qui a été très courageux, mais qui a pas mal souffert ce week-end. Donc voilà, j'ai pas du tout eu le temps de bosser, de travailler et de faire quoi que ce soit, puisque j'ai vraiment passé tout mon temps avec lui à l'hôpital. Donc je vais essayer de reprendre mes esprits et de reprendre le rythme, mais comme il est toujours en convalescence à la maison, donc on doit un petit peu se réorganiser. C'est pour ça que d'ailleurs, que tu vois, je suis dans mon bureau aujourd'hui pour être un petit peu au calme. Puis j'ai aussi les cernes, le visage un petit peu défait par les quelques nuits blanches que je viens de passer pour veiller sur lui. Mais voilà, il va mieux, il va bien, ça va bien se passer. Donc je vais pouvoir reprendre le chemin du boulot assez vite. Et puis j'ai hâte aussi de pouvoir continuer à te donner un maximum de conseils pour rayonner dans ta vie de femme pépite. Voilà, je te dis à très bientôt. Je pense que je vais pouvoir reprendre un rythme plus normal dès demain. Et puis, j'espère que tout va bien pour toi en ce début de semaine. Je t'embrasse. Ciao, ciao.